Bonsoir tout le monde, nous sommes contents de rejoindre nous dans le cadre des grands journaux là sur la télévision nationale d'Haïti, mais quelques points pour développer dans le journal ça. Toute disposition déjà prend pour bon genre déroulement séance en Assemblée nationale lundi 14 janvier à, selon vice-président Sénat République là Pierre-François Sildor. Commission économie et finance Sénat République là rencontré jeudi 10 janvier à, ministre agriculture ressources naturelles et développement rural là Jobert Séangrand et puis ministre intérieur à collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brunet. Dans le cadre d'analyse projet budget et projet loi finance 2018-2019. Il y a un effort qui doit être fait pour quitter information disponible pour génération Cap Vignan sous dégâts tremblement de terre 12 janvier 2010 là à comportement qui doit adopter les gagnants tremblement de terre. Ces déclarations ingénieur Claude Prepti dans occasion commémoration le 9 l'année passage tremblement de terre 12 janvier 2010 là qui était fait en pile victime. Directeur général Direction nationale de l'eau potable d'INEPA Guito Edouard accompagné magistrat principal commune Pétionville là Dominique Saint-Roch visité jeudi 10 janvier à travail construction kiosque qui pral servi bureau information pour mairie sous place Saint-Pierre. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump fait une visite dans Texas, sous frontière États-Unis et Mexique, jeudi 10 janvier 2019, là, dans l'idée pour défendre le projet construction MU, lui proposé Congrès. Madame, Monsieur, Red Branché, Télévision nationale d'Haïti, nous avons tourné à développement de titre avec l'autre information après pause. Je suis un peu plus de temps. Levez caoutchouc sur une top tête chat saillot encore. Mais. Pas gué, mais c'est ça le caoutchouc qui sont dans top ta aise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. Ok. Pas oublier. Top tires, c'est fun wash, chire route, coche clou. Ah, gagne qui boule m'bajoué. Vendre 4 caoutchoucs.
De quel grosseur vous voulez? Top Tire, c'est Fun Wash, Chile Wood, Poche Clou. Bienvenue dans le développement journal ça. Nous avons démarré avec le vice-président Sénat, Pierre-François Sildor, qui dit qu'il y a une disposition qui est déjà adoptée dans le bureau de l'Assemblée nationale là, pour faciliter la séance en Assemblée nationale qui prévoit lundi 14 janvier à dérouler sans problème. Pendant l'événement, le président Sénat a bien pour le faire un discours et puis le premier ministre a bien pour le présenter bilan gouvernement là pendant 6 derniers mois. Le président République là sous Bopal a bien pour le faire un discours sous état nation. En général, il commence par ouverture en Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir l'Assemblée nationale. La côté député et sénateur, après appel nominal, il l'a constaté qu'il y a un courant pour nous faire. Premier bagaille. Deuxièmement, on a songé que le président pays, chef de l'État, a fait une convocation à l'extraordinaire pendant que le député a été en vacances. C'est pour ratification, choix premier ministre Jean-Henri Séan, et également avec une extension pour le vote du budget et le vote de la loi électorale. Donc, en deuxième étape, après une ouverture, pour ouvrir l'Assemblée nationale, il faut fermer l'Assemblée extraordinaire. Il faut fermer. Lorsqu'on ferme, encore troisième étape, le rituel, là, c'est le président va faire son discours. En introduisant le premier ministre qui est là avec toute cabinet qui pour là parce qu'il faut le temps d'elle. Et après le discours du premier ministre, le rituel là, on va le invité, on va ouvrir la session législative. Attention, ce n'est pas la session ordinaire, non. C'est la session législative là qui gagne deux là-dedans, une commence en janvier, une commence en juillet, et après elle. Et après ça, on va invité, le premier ministre vient faire bilan des activités du gouvernement à la nation. Le premier ministre. Et finalement, le chef de l'État, qu'on va inviter maintenant pour faire son exposé général de la politique du pays. Donc, son gros maman événement qui attend nous lundi. Et finalement, après, c'est fermeture session, hein, fermeture séance qu'a fait. Là. Je signe une lettre pour le directeur général de la police nationale, M. Gédéon, côté Mandel, pour lui sécuriser tout espace-là, parce que non seulement c'est l'Assemblée nationale, mais également les autorités, tout type d'autorités qui gagnent, autorités civiles, politiques, religieuses, internationales, et notamment le chef de l'État et le Premier ministre tout à plat, c'est sûr que sont dans pile sécurité demandée pour direction de la police nationale là-bas, que n'écrit déjà pour ça. Commission économie et finance rencontré journée jeudi 10 octobre, la ministre agriculture, Jobert C. Engrand, toujours dans le cadre analyse projet loi finance, 2018-2019 là. Président commission Rigaud Bélisaire dit dans projet loi finance ministère agriculture joigne plus passé 2 milliards goudes par rapport à budget qui sont passé. Les crédits budgétisés pour votre ministère ou bien pour les ministères que vous dirigez se chiffre à 11,75 milliards de goudes. Soit 6,8% de l'enveloppe totale du budget national. Par rapport à l'exercice précédent, ces crédits ont connu une augmentation de 2,8 milliards de goudes, une pondération de l'ordre de 31%. Fort de constater, Monsieur le ministre, cette augmentation est concentrée en grande partie au niveau du titre 4 de la Direction générale des services internes,
plus précisément à la rubrique dépenses de transfert, et vous aurez peut-être à définir pour nous. Dois-je vous le rappeler, messieurs les ministres, pour cette rubrique, les crédits alloués lors de l'exercice 2017-2018 étaient de 220 millions de goudes et ils sont passés à 1,19 milliard de goudes dans le budget de cet exercice, soit une augmentation de 978 millions de goudes. La commission est intéressée à savoir les raisons de cette augmentation considérable. De notre côté, messieurs les ministres, conformément au décret du 30 septembre 1987, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural est appelé à formuler, appliquer, orienter, faire respecter la politique économique du gouvernement dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des ressources naturelles renouvelables et du développement rural. Environ 11 milliards gourdes, c'est quantité ministère agriculture et ressources naturelles gagnées dans le projet loi finance 2018-2019. Là. Ministère agriculture a Jobert, c'est en grand, il y a plusieurs projets qui étaient démarrés dans le secteur agricole là, qui pourraient continuer. Ça a facilité gain plus manger qui produit dans le secteur et puis ça a permettre de mettre plus d'infrastructures. Li fait qu'on ait 2 milliards gourdes d'augmentation dans le projet loi finance pour faciliter gain l'autre projet ministère à développer. Le projet de loi de finances 2018-2019 projette une croissance réelle de l'économie de 2,8%, portée par une croissance soutenue de la valeur ajoutée du secteur agricole. Une inflation de 14,7% en moyenne annuelle et de 12,7% en fin de période. Objectif fixé pour l'exercice 2018-2019. Le programme d'exercice, entre autres, devrait générer plus de 9 millions hommes-jours d'emplois temporaires directs au bénéfice des communautés rurales et agricoles. Il prévoit aussi de garantir une nette amélioration de la disponibilité alimentaire par un appui massif aux campagnes agricoles d'hiver et de printemps en entrant labourage et haute incitation agricole. Plus de 360 000 productrices et producteurs bénéficieront des intrants, services et incitations agricoles. Toujours dans le cadre d'analyse projet loi finance 2018-2019, la Commission économie et finance dans le Sénat rencontré jeudi 10 janvier à tout ministre intérieur et collectivité territoriale, là, Jean-Marie Rinaldo Brunet, sous enveloppe budgétaire qui à disposition ministère là dans le projet loi finance. Là. Président de la Commission, Jean-Rigo Bélizer, a expliqué qu'il y a une nécessité pour mettre plus de moyens dans la ligne budgétaire qui a un rapport avec la sécurité publique et puis l'organisation de l'élection. Il y a un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Dans le cadre du budget 2018-2019, il y a très peu. Nous-mêmes, nous avons posé cette question. Comment, et surtout année, ça soit année, que nous sommes capables de prendre grand pile de turbulence, surtout nous parlons de question élection, comment le ministre de l'Intérieur pourra le prendre pour que lui permette aux citoyens et venir sentir une situation de quiétude d'esprit en dans le pays. Donc ça, je pense que c'est une question majeure pour nous, parce que ou pas qu'il y ait investissement dans le pays, si pas qu'il y ait sécurité, même l'école qui est arrivée dans cette situation, parents ou pas qu'il y ait, et nous, chaque jour, nous avons dans le pays, nous pensons qu'il y a une grosse faiblesse au niveau de sécurité intérieure, mais nous prenons tout pour que le travail soit fait correctement. Il faut que l'État a accordé une priorité. Le gouvernement a accordé une priorité à la question de sécurité en dans le pays. Nous avons parlé des marchés quoi des Bossal. Tout le monde, c'est presque un problème. Fatra à gauche, fatra à droite. Et nous sommes capables de dire pour toute la capitale, il faut que le ministère de l'Intérieur ait un service d'intelligence qui a surveillé tout le bazar pour que le bazar soit parfait dans le pays. Donc, dans le sens de sa ministre, nous-mêmes au niveau commission et ensemble sénateurs, et nous député autour de rencontrer avec eux, nous allons regarder comment effectivement pour que question sécurité intérieure devienne en priorité non seulement pour nous-mêmes sénateurs mais pour le gouvernement en général. Ministre intérieur sous bon parle dit au pral travail pour bien gérer enveloppe budgétaire qui à disposition ministère
et faire tout ça qui est possible pour ensemble réalisation yo fait. Quant à question sécurité intérieure, ministre Brunet dit qu'il y a pile disposition yo pral prend pour atteindre objectif yo citoyen ça dans dossier élection yo. Je vous rencontre ça matin et vraiment déterminant par rapport avec le budget nous gagne et sur 18-19 là. Je pense que l'honorable sénateur Pilato il a déjà remercié nous parce que nous connaissons une bonne grande fête pour nous peut-être si nous n'avons pas retourné et à une série de ressources côté peut-être que nous avons retiré les ressources qui étaient des contingents défavorables pour nous et passer tout pour que grâce avec certaines informations pour nous là qui permettent nous-mêmes de nous dégager dans Wally qui permettent nous venir peut-être améliorer non seulement la question sur TA pour le sénateur et cet abdi là mettez des structures sur place rétablir parce que existe déjà renforcer de façon à ce que nous proactifs pour ne pas quitter ces leurs bagages arriver sur nous-mêmes pour la voyager. L'autre point, pendant journée mardi 8 et mercredi 9 janvier 2019, là, plusieurs attaques faites dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Dans le cas d'attaque, le directeur pariage Pamlan, Patrick Nara, mouri et puis plusieurs personnes blessées parmi les policiers, d'après porte-parole en après PNH, là, inspecteur Gary Desrosiers. Inspecteur Desrosiers expliquait que DCPJ déjà l'ouvrit une enquête pour jeune auteur Zaksa. Pendant les invités, population à collaborer avec PNH pour permettre l'accomplir mission. Inspecteur Gary Desrosiers. Malheureusement, c'est deux incidents malheureux qui arrivaient effectivement à Pétionville. Et premier, c'était mardi 8 janvier 2019, côté que deux bandits armés non identifiés tuaient Patrick Nara, qui était 48 ans, jeune garçon. Qui c'est un dirigeant pariage PAM. Ça fait exactement dans deux l'église Sainte-Thérèse. Il était aux environs 7h40 le matin. La police est rapidement venue au courant de ça. Il dépêchait une patrouille sur place. Effectivement, nous constatons le cadavre, la mort de Patrick Nara, 48 ans. Rapidement, le commissaire de Port-au-Prince dépêchait le service d'investigation DCPJ. En marche tout appareil des CPJ, à savoir police scientifique et homicide, qui est devenu fait prélèvement, qui était accompagné de juges de paix. Et Nabdi, pour le moment, enquête là, les ouvrir, parce que depuis que Bordom, la police judiciaire en branle, pour que nous capables de connaître dans quelles circonstances que Patrick Nara perdu la ville et procéder à arrestation auteur principal. Selon notre incident, justement, malheureux, qui est produit effectivement hier, et 9 janvier 2019, là, et aux environs de 2h50, 3h, incident a produit dans la rue panaméricaine, Pétionville, zone Tissaint-Pierre, et côté que yon minibus et aboli, chauffeur et comptable hôtel Oasis, là, qui était en bloc, qui n'a pas changé, qui n'a pas fait monnaie, probablement, côté que deux bandits armés non identifiés attaqués. Monsieur yo tiré sous Buslan qui a 4 impacts balles et que nous capable ouais visiblement sous Buslan et les bandits yo prend la fuite. Té gon policier qui part trop loin qui a fait circulation dans zone Oasis là côté que tiré en direction policière, il prend une balle dans pied et nous espérons que sorti de situation que lié et qu'il y a deux autres monde qui blessé par balle. Alors incident ça a provoqué 3 blessés par balle dont un policier qui était dans 21e promotion police nationale là et n'a dit après bandi au fin fait ça il prend direction Bouc Champagne pour le moment et j'en nous dis hein, dès que une situation ça reproduit service investigation commissariat local là pour y a la investiguer la faire enquête du voisinage pour qu'elle capable arriver remonter justement à monde qui fait Zaksao et procéder à l'arrestation et conduire devant la justice. C'est mission non pour nous garantir l'ordre public, la sécurité publique et ça m'a demandé un pile effort au niveau de la police, un pile motivation et nous toujours fait appel à la population parce que pas grand système de sécurité qui garantit sans que la population, citoyens, ne soient pas impliqués
et nous travaillons ça avec la police et nous encore une fois compter sur bonne collaboration. Et sur notre ça, nous avons marqué deuxième pause nous dans le téléjournal à soir après déplacer. Nous avons tourné après ces informations. Journée pas de facile. Où tout est ça? L'autre nèg yo te occupé nan mine nan. Yo relé nou pou vinn pote main. Et c'est là ça. Mwen wèl. So, ki sa ou fè? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pitono. Nèg brave ça au jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide, solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile A, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants Mobile. Ici, vit l'énergie. Chérie, je travaille dur. Je pense que nous allons chez Beltikai, ça oui. Beltikai, nous allons à l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler à qui ici. Et ici a besoin de planifier avenir non et joindre une plus bonne solution la gestion comble. Et ici qui flexi cash, li aide au fait économie pour qu'a joindre l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner et Optima qui permet de jouir la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans et ici nous porter solution. Décision. C'est l'homme même lié. Est-ce que vous avez un problème acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de te faire madame avec toute famille. Te faire madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC, nous avons des solutions pour tout assurer. Prends une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 0 jour. AIC, c'est moins ce problème, plus solution. AIC à faire. Nous tendons ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérateurs disent sans fin de payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec les data. C'est celle qui celle qui va rollover illimité sur data avec limite. En écrit, nous voulons rollover avant de expirer et piquer tout ça en fin de payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis acheter plein rollover par là. Digicel. Oh! On va poursuivre avec le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, Ménion Jeune, qui a explication sur le résultat bac permanent, session décembre 2018. Là. Directeur général MENFP a profité de rappeler les bacheliers concernés, c'est depuis Kounia, pour commencer à préparer et puis chercher qu'on est matière, yo pas réussi pour yo préparer et puis répondre à obligation et preuve. Explication dans micro Midray Milias avec Hervé Joseph. Et nous avons remarqué que pourcentage national là les 25.78% mon gars dit ah son pourcentage qui faible là et parce que ils avaient en fait le monde a revenu et puis il n'a pas passé. Il a même parlé d'un résultat catastrophique. Mais ça nous a dit, nous n'avons pas pris le résultat catastrophique parce que c'est un bac permanent qui regroupe ensemble de monde qui dans l'examen déjà. Pendant l'année, le monde a été allé en août. Il a été allé en juillet. Il a été là depuis l'année avant. Si vous avez une matière, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 5 qui ne passent pas, et puis qui viennent recomposer la donne. Département des NIP, lui-même, il y a 434
admis, il y a 379 éliminés, il y a 4 absents, total là c'était 813, pourcentage là c'est 53.38. Département du Nord-Est, il y a un total 1222 candidats qui admis, il y a 1623 qui éliminés, il y a 27 absents et total là c'était 2845 qui bat un pourcentage de 42.95%. Joseph Grégoire, c'est une parmi diverses victimes tremblement de terre 12 janvier a, qui t'a frappé Haïti. 9 l'année après, adolescent 14 l'année ça, parlé avec équipe télévision nationale d'Haïti sous façon de te vivre événement 12 janvier 2010. Rodney d'Orléans, Mathilde Debel. Joseph Grégoire, c'est un petit garçon 14 l'année ça qui perdit pied droit li dans tremblement de terre qui t'a frappé pays a 12 janvier 2010 là. 9 l'année après, Grégoire rappelait qui Jean était vivre événement ça. Pendant ma sortie qu'il là, était assez quoi pour tout là qui était repelé, tombé sous pied. Les membres venaient qu'on allait pas ouais poche là pour toi était retiré. Il a été venu désinfecter au tal l'hôpital avec le dit de préoccuper qu'on a papa d'accord pour couper. Malgré l'infimité ça, la vie pas finie. Ces déclarations, Joseph Grégoire, qui plus loin fait connaître Zami Taïli dans le Collège Vision Caraïbienne et Elevio, fait souvent oublier handicap li. Sous la coule école ça, dans le moment posio, Joseph Grégoire, c'est animateur principal espace là, d'après conseiller pédagogique CVCA, Faustin Silencier. Les relations Grégoire avec l'autre team, il n'y a pas de différence. C'est comme si Grégoire était avec seul, il était avec Frère, il était avec maman. Au contraire, même senti en moi-même, li pi à l'aise l'el bon côté camarade li quel est la caille pour qui raison parfois qu'on fait quelques petits désordres nous convoquer parents ou alors les parents li ont petit gens senti li rentrer en lui même mais l'el bon camarade li Grégoire li très étonné li très ouvert col bon c'est pour me dire que Grégoire senti bien pour moi même personnellement Grégoire senti très très bien face camarade li parce que l'on regarde Grégoire il pas mettre personne tout le monde ses amis au contraire. N'importe élève vous demande pour Grégoire dans l'école là, vous reconnaître lui parce que tout le monde ses amis Grégoire. Plusieurs institutions privées et publiques t'écrasées ou sinon endommagées dans le tremblement de terre 12 janvier. Événement ça la cause tout, la mort plusieurs milliers de citoyens et puis augmenter quantité handicapés dans le pays. 12 janvier 2010, yon date qui marquait tout haïtien. C'est parce que majorité monde qui était fait construction dans pays a pas respecté norme pour monde bâti qui la cause quantité monde ça a perdu la vie dans tremblement de terre 12 janvier 2010 là d'après directeur général bureau mine et énergie ingénieur Claude Prepti responsable bureau mine et énergie a fait connaître c'est éducation et sensibilisation moun yo qui pas fait assez tout qui était la cause yo gagné comportement ça. Ingénieur Prepti t'a participé matin dans émission mise au point sous télévision nationale. Ti moun qui gagne 10 ans connait là. Va te connait ça qui t'est passé 12 janvier. Au chaque année qui a passé, eh bien nous est que ferveur que nous t'aimait pour nous commémorer 12 janvier, elle commence à diminuer. Donc ils vont le 12 janvier pas de sens pour nous. Parce qu'on parle d'une génération de monde qui ne peut pas vivre 12 janvier et 12 janvier ne peut pas dire rien pour eux-mêmes. Jusqu'à ce que tu aies tremblé encore. Donc c'est nous-mêmes, génération qui vivent 12 janvier, pour implanter mémoire, événement, pour une 10 générations qui viennent. Attention, même ça qui t'est passé 12 janvier, même ça qui t'est passé, c'était faute, non. Ce n'est pas seulement faute à la nature. Donc il faut que nous corrigions les erreurs du passé. Donc il faut que nous quittions une société qui est beaucoup plus juste. Il faut que nous quittions un pays qui est beaucoup plus sécuritaire pour les jeunes à venir, les générations. Et eux-mêmes, ils ont continué. Mais si nous ne quittons pas rien pour eux-mêmes, nous ne pas dire rien. Dans 25 ans, 30 ans, eh bien, nous allons recevoir l'autre, même tremblement de terre là, même dégâts privés et génération petite, nous allons subir les mêmes conséquences que nous-mêmes nous avons subi le 12 janvier. Donc il faut que nous implantions mémoire événement, il faut que génération ça travaille pour nous quitter un pays qui est beaucoup plus sécuritaire pour les générations à venir. C'est ce qu'on appelle le développement durable. C'est-à-dire qu'agir qu'on y a là pour nous bien vivre, pour ne pas être victime.
Mais pensez à demain, à petite nous, petite nous qui va venir, parce que son zone, son terre, que nous avons légué à nous-mêmes. Terre, ce n'est pas pour nous gagner. Nous pour aller. Maintenant, petite nous, dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, c'est nous-mêmes qui avons plan, nous ne pouvons pas encore. Mais on quitte un bagage qui est potable pour nous. Justement, nous avons un plan national sur 25 ans, 30 ans, côté que éducation prioritaire, éducation environnementale, éducation sur toutes les menaces naturelles, puisque ça n'a pas existé, c'est des bagages ponctuels qui ont fait. Donc, éducation parfaite. Donc, à chaque fois que vous prenez des dispositions, vous mettez des panneaux indicateurs, vous prenez des bagages pour protéger la vie de même vous avez encore sapé ce qu'on fait, vous avez découragé. Vous tirez sous pied. Bon, imaginez qu'un panneau qui dit au monde, attention, là, il est capable de tsunami, mais route pour faire, vous mettez les, et puis demain, vous ne parlez pas de panneau encore. Vous avez fait route, vous mettez des réflecteurs, pas de lumière. Pour que la lumière machine réfléchisse sur les mêmes pour écouter pour aller, nous nous retirer, nous mettre dans la bicyclette. Donc nous avons un gros problème d'éducation dans le pays. Il faut que nous baissions nous capables de lever l'éducation pour que nous connaissions qui comportement pour gagner, pour développer les réflexes qu'il faut, pour que le bail la fête, et bien ne pas paniquer, il a couru sorti, et bien il prend charge parents, il a éduqué parents. La plus facile pour atteindre parents et parti mon. Donc tout ça entre la mesure à prendre pour diminuer la vulnérabilité. Mais si nous ne pas faire autre, dans 15 ans, 20 ans, bon, peut-être pas là encore, mais ou pour l'autre monde qui a parlé de 12 janvier, nous avons commémoré, nous avons fait même comme cela. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, qui était avec le magistrat principal commune Pétionville, Dominique Saint-Roch, visité jeudi 10 janvier. Travail construction kiosque qui pral servir bureau information pour mairie Pétionville. Pendant visite là, deux responsables ont porté explication sur état avancement travail cap fait yo. Louinel Jean-Louis, Michel Joseph te sous place. Espace ça sous place Saint-Pierre qui était réservé pour construire un bloc sanitaire dans un premier temps pour le transformer en bureau information et boutique souvenir pour mairie Pétionville. Jeudi 10 janvier 2019 là, magistrat principal Pétionville, Dominique Saint-Roch, accompagné avec directeur général d'INEPA, Guito Edouard, visiter l'espace là pour voir comment travail avancé. Ce n'est pas ni toilette publique, ni latrine, ni bloc sanitaire qui a construit sous place là, sinon son bureau d'information pour la mairie. Et si vous regardez en dedans, vous voyez que l'aménagement fait conformément à plan que ingénieur d'INEPA te proposé. Et magistrat peut-être capable de confirmer au pied devant, il était rencontré autorité ecclésiastique dans l'église Saint-Pierre là pour en fait pour te montrer que eh bien ça travaux. Donc c'est dans ce sens ça que d'INEPA dans nom moi en tant que directeur général eh bien te prend initiative pour nous venir visiter travaux et ceci de concert avec magistrat. Comme c'est nous-mêmes qui avons fait transformation en dans espace là, eh bien, nous avons réaménagé conformément eh bien, aux règles de l'art. Magistrat Pétionville, Dominique Saint-Roch, expliquait l'utilité du bureau ça pour le gagner pour la commune. Magistrat Saint-Roch continue pour informer les citoyens qui vivent dans la commune sur le travail de rénovation qui t'amène sur place Saint-Pierre. C'est un espace qui pourrait permettre, je pense que c'est bon pour tout le monde. Et les gens viennent débarquer dans le pays ou jouent côté que vous vendez une map là, qui permet que vous capable de guider propre tête ou en dans la ville. Et je dis, c'est ça que nous pourrons faire. Nous pourrons faire de quatre villes là. Et je pense que pour tout risque, c'est pour un bon bagage. Les gens qui viennent, qui font débarquer dans la ville là, mais qui ont besoin de map là, qui ont besoin de compte, qui ont besoin de compte, qui ont besoin de toute information ça ou là. Donc, c'est dans ce sens. C'est ça que l'architecte et d'INEPA ont fait pour nous en plan. Et nous achetons avec le révérend et nous expliquons curé qui ça effectivement qui pourra le faire. Et il y a une adhésion, il y a d'accord avec ça, avec la transformation qu'il a fait là. Et depuis là, nous remettons main. Je vous dis, nous venons faire une visite guidée pour nous capables de garder dans quel niveau de travail. Et tout le monde est par rapport à ça que là, ou est-ce qu'il changement qui est opéré là-dedans. Parce que nous toujours dit toute œuvre humaine. Avant de venir saldoué en bel bagage, il y a des étapes qui sont brûlées. Qui a cette information, ça a coûté 3 millions de gouttes et puis l'a construit sur une superficie 90 mètres carrés. Après une dernière pause, nous dans le téléjournal, ça, nous tournons dans le palais international. Mobil 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules
pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, je travaille dur. Je pense que nous allons chercher Beltikai, ça oui. Beltikai, nous allons à l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu bien planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion de cobble. AIC qui flexi cash. Li aide au fait économie pour qu'a jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagnant. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que mon problème fin acheter comme ça? C'est pas ça que m'a souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même m'a continuer take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant AIC nous porte des solutions pour tout assurer. AIC prends une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 0 jour. AIC c'est moins problème, plus solution. AIC à faire. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérateurs disent qu'on finit payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec les data. C'est celle qui celle qui va rollover illimité sur data avec limite. En écrit, nous plan rollover avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça en fin de payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis acheter plein rollover par là. Digicel. Oh! Bienvenue dans la page internationale là, jeudi 10 janvier 2019 là, président américain Donald Trump a fait une visite dans Texas sous frontière mexicaine. Président Trump a réalisé visite ça pour défendre le projet construction mur lui proposé Congrès. N'a suivre. Président Donald Trump fait une visite sous frontière mexicaine jeudi 10 janvier 2019 là, l'idée démocratique opposée catégoriquement à construction misa. Construction ça c'est une promesse campagne Donald Trump. 800 000 monde dans chômage depuis shutdown ça aux États-Unis. Président Trump a annoncé sur Twitter il saute quitter en réunion avec démocratique, li estimé comme une tempête. Président américain semble déterminé pour ne pas tourner sous décision, c'est deuxième shutdown qui pilonne depuis histoire États-Unis. Félix Tshisekedi remporte l'élection présidentielle dans la République démocratique Congo. Une victoire rival li Martin Fayulu qui sortit opposition contestée. Betty Raphaël. Toute disposition déjà prend pour bon déroulement séance en Assemblée nationale là, lundi 14 janvier, selon vice-président Sénat Pierre-François Sildor. Commission économie et finance de la République l'a rencontré jeudi 10 janvier, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, Jobert Séangrand, et puis ministre intérieur et collectivité territoriale là, Jean-Marie Reynaldo Brunet, dans le cadre analyse projet loi finance 2018-2019 là. Gen pile j'effort qui doit fait pour quitter information disponible pour génération Cap Vignan sous dégâts tremblement tête 12 janvier 2010 là à comportement moun doit adopter les gagnants tremblement tête. Ces déclarations ingénieur Claude Prepti dans occasion commémoration 9 l'année passage tremblement tête 12 janvier 2010 là qui était fait en pile victime. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, accompagné magistrat principal commune Pétionville, Dominique Saint-Roch, visité travail construction kiosque qui pral servi bureau information pour mairie Pétionville sous place Saint-Pierre. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump fait une visite dans Texas sous frontière États-Unis et Mexique dans l'idée pour défendre projet construction mu li proposé Congrès. Madame, Monsieur, merci à vous-même qui t'es prêté attention pendant tout le téléjournal là. Merci à tout le monde qui rend le journal ça possible.
Puis prochain rendez-vous avec Salle Nouvelle là, c'est à soir à 10h. Quant à nous-mêmes, nous casser rendez-vous pour demain, même heure.